Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathanaël von Arnstein. Je vous souhaite la bienvenue sur Aleia en compagnie du MJ Likik Salut à tous. et de Fried. Salut. Alors, nous nous trouvons aux portes du dernier village que nous avons construit, donc la dernière construction d'ampleur sur le serveur qui fait suite à l'arène qu'on vous avait présentée dans la précédente vidéo. Donc, je vous propose qu'on y aille. Qui veut ouvrir la voie? Allez, j'y vais. Ok, on te suit. Tel le guide. Ah bah en même temps. C'est quoi? Je te tiens la vérité, excuse-moi. Quoi? Et nous voici donc dans le village style japonais avec ces beaux bâtiments en bouleau Et sapin. et sapin. Sauf un cube rebelle là-bas. On Ouais, l'avait cassé le cube rebelle. on l'a Oui, non, c'est bon, on dessiné. l'a cassé. Donc moi j'ai pour ma part participé à la pagode que vous voyez devant vous. Le village a été rajouté ensuite par Eis, je crois, je sais plus qui. Il y avait sur le coup Minimat qui nous a aidés, Anthony Fallout, et puis je pense que j'oublie du monde, hein, mais. Enfin, on s'est bien marré, quoi. C'était l'occasion de faire autre chose que d'habitude. Vu que, comme je rappelle, hein, sur Nomad's Craft, comme le nom l'indique, on est nomade, on ne construit pas ce genre de choses en principe. Non. Donc là, Non, là, niveau c'est du. juste pour développer un peu le background du serveur, encore une fois. Voilà, donc. Ce qui était drôle dans cette pagode, quand on n'avait pas mis les torches, c'est que ça spawnait tout ce que ça pouvait. Ah oui, je vois le délire, ouais. Il va y avoir plein de cochons et tout. Ah Ouais, non, même puis. pas, non, squelette et Ouais, c'était cool, quoi. Enfin, on s'est bien amusé, hein. Je sais pas combien de centaines de blocs de bouleau et de sapin. Alors, je vous avoue tout de suite, on a un tout petit peu triché, mais c'est les joies des un tout petit serveurs. peu, Bon, après tout, je me dis, voilà, le résultat qui compte, c'était HRP, puis derrière, ça nous a permis de faire un bon petit event assez ouais. Ouais, c'était sympathique, quoi. sympa. Ouais, c'était bien. Donc Ouais. c'est toujours l'idée, en fait, on construit un petit groupe, ensuite on abandonne tout, on retire toutes les torches, et puis à la prochaine fois qu'on se déplace, on change de camp, bah, on tombe sur le village, et puis c'est l'occasion de faire un peu de roleplay. Puis dans nos futurs projets, ce sera aussi l'occasion de développer le background de cette civilisation qui nous a laissé ça. Et d'ailleurs, en parlant Et de d'après. l'event, on a le prochain qui arrive avec les catastrophes naturelles. Putain, ça va être magnifique ça en vrai. Voilà. D'ailleurs, à ce propos de catastrophes naturelles, il semblerait que le jeu nous ait pas attendu pour les faire et puis qu'on ait eu un petit incendie au dernier camp. Putain, on a eu plusieurs incendies, on a eu au moins trois là déjà. Bon, enfin, le dernier, il était assez dévastateur hein, puisqu'il nous a détruit quand même notre pour de guet, notre caserne, notre taverne. Donc si jamais tout ça, c'était simplement dû à la foudre. Hein, Ah bah, le premier en fait c'était juste dû bah, à la lave hein, tout simplement, tout qui a cramé, tu vois, on a eu trois Demander lames. à I play for you, faut pas faire joujou avec de la lave près du bois. Mais non, mais on l'avait pas fait exprès, elle était déjà là, tu vois, elle était naturelle. Et les Ah. mecs, mis la palissade à moins de 2 cases, forcément ça a cramé. Ah bah oui. C'était assez drôle d'ailleurs. Donc depuis la dernière vidéo que nous avions fait en compagnie de l'équipe, nous avons pas mal avancé. Hein, donc il y a eu plusieurs nouveaux camps, il y a eu ce village, il y a d'autres events en préparation, les catastrophes naturelles qui vont être le prochain, qui devra arriver tout bientôt. Et il faut savoir que malgré les 5 ou 6 nouveaux membres qu'on a eu depuis la dernière fois, nous recrutons toujours, donc vous êtes toujours les bienvenus. Oui, on a recruté 7 nouveaux membres ou 6, je ne sais plus. On est toujours là, il n'y a pas de souci, vous pouvez postuler. On est toujours avide de nouveaux joueurs qui aiment le RP. Le recrutement s'est avéré très, très positif puisque on n'a que des bons joueurs en RP, c'est vraiment super. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. On commence à avoir un groupe correct, quoi. C'est vraiment sympa. Et je vous annonce, nous avons avec Likik un projet de vidéo totalement RP. Donc, faudra voir les détails, les modalités, enfin tout le bordel, mais Ouais, on verra tout ça après. Pour l'instant, c'est le projet. qui me paraît vachement sympathique. Ouais, ça va être En tout sympa. cas, moi, ça me motive bien. Encore faut-il trouver un thème et puis arriver à se tenir au truc sans se prendre un fou rire, mais ça. On y arrivera bien, on y arrivera bien. Voilà, alors sur ces bonnes paroles, il me semble qu'on avait dit qu'on voulait parler d'un autre truc encore, mais je ne me souviens plus. Bah, je pense qu'on peut rejoindre le prochain campement. Ouais. Ouais. Moi, je vais donc profiter de faire une ellipse technique pour que Cam Studio ne crache pas. Et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure au prochain camp. Nous voilà donc au dernier camp sur Nomadscraft. Vous voyez, je suis tout seul.
C'est dû à un problème technique, hein, parce que je disais tout à l'heure, enfin pour moi ça fait déjà plusieurs jours en arrière, vu le délai du montage, je disais tout à l'heure que je voulais éviter les crashs de Cam Studio, ben c'est complètement raté, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à enregistrer la deuxième partie. Bon maintenant, on avait fait une tentative de RP à moitié ratée, donc finalement c'est pas trop grave. Donc je vais vite vous montrer ma maison, vous dire que mon pack de textures c'est le John Smith. Comme ça c'est fait, je vais voir si j'arrive à penser à mettre un lien de téléchargement dans la description, rien n'est moins sûr, on verra. Donc ça c'est ma petite maison que j'ai fait sur le dernier camp. Puis je vais rendre la parole à notre trio. D'ailleurs toutes mes excuses pour le son qui comme d'habitude est assez pitoyable. Je vais réfléchir à quelque chose pour améliorer ça parce que ça peut plus durer, je suis d'accord avec vous. Allez, transition de fou. Maintenant, on va faire une ellipse et revenir. Alors, on se retrouve avec Frédélikik après notre petite partie tentative de RP que j'espère que vous aurez apprécié. J'espère. On a fait des efforts, c'était complètement à C'était quand même l'impro, dur. mais on a bien rigolé. Bon, vous le Ouais, cassez ou vous le... Ah non, moi je pensais que vous vouliez pas le péter, en fait, du coup, moi Moi, j'ai j'en pas de... j'ai pas de pioche, du coup. Ah, Ah moi, non, je mais. propose qu'on le mette mi-bois, mi-cobble. Je crois que ça arrange pas le truc. Avec Ah mon pack si, de c'est déjà textures, ça rend pas si mieux que mal. la poutre. C'est mieux que la poutre. Je vais remplacer le truc d'Anthony. Donc nous avons réparé la tour qui s'était pris la foudre. Nous entendons Liquid qui tape frénétiquement sur son clavier. Excusez-moi, j'ai pas encore un clavier next-gen. Ah, si je tapais sur le mien, ça ferait pareil, hein. C'est quoi ce truc? Oh, ça fait genre. Inondation. Ah, mais non, c'est lui qui C'est m'a. Anthony là-haut. Ah, À plus. mort! Chopez-le! J'ai pas d'œufs là. Ah, si, j'ai des œufs. Ah non, attends, moi j'en ai pas. Ah. Attends, il a la tête dans son coffre. Merde, ouais, J'ai pas d'œufs non plus. Bon, les gens, je pense qu'on va conclure, hein. Donc sur ces quelques petits aperçus de notre nouveau camp où je vais devoir m'installer, vu que j'ai pas encore été. Comme vous avez compris, j'ai passé une semaine loin du serveur quasiment et j'ai raté pas mal de trucs. Ouais, il s'amuse bien. Bon, les kicks, le mot de la fin? Eh bien, venez sur No Man's Craft, on vous attend. On est, le serveur est toujours ouvert. Inscrivez-vous et puis venez délirer avec nous, quoi. Ouais. Moi je suis d'accord, alors on vous attend, hein. À bientôt les gens.